Rebonjour, alors j'étais en train de réfléchir à ce dont j'allais vous parler dans la prochaine vidéo que j'allais enregistrer. Puis je me suis dit qu'il fallait absolument que je la fasse de suite avant d'oublier ce que je voulais vous dire, parce que vous savez que des fois les idées passent à toute vitesse et après si on ne le note pas, eh bien, on oublie ce qu'on veut dire. Et ce que je voulais vous dire, ça vient vraiment du cœur, c'est que aujourd'hui il y a des choses qui fonctionnent en marketing de réseau et des choses qui marchent, que ce soit en parlant aux gens sur le terrain, en sortant sur le terrain, comme disent certains leaders, ou en utilisant Internet pour rencontrer des nouvelles personnes, quel que soit le moyen que vous utilisez avec des pages de capture ou simplement sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent vraiment très très bien. Et si à l'intérieur de vous, vous avez cette envie de leadership, si vous savez que vous êtes un leader et qu'il vous manque juste quelque chose et que vous avez l'impression que vous n'avez pas encore mis le doigt dessus, ben, je peux vous rassurer sur un point, c'est que y a des situations où c'est vraiment le bon moment, où c'est le bon produit, où c'est le bon plan de compensation et où les choses s'enchaînent et où ça va très 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 vite. Donc aujourd'hui, si vous avez envie de travailler avec des gens qui savent ce qui marche maintenant et qui vont vous accompagner et vont vous aider à croître et à grandir et à utiliser finalement toutes les compétences que vous avez mais qui ne peuvent pas complètement s'exprimer, contactez-moi. C'est impératif que vous me contactiez, envoyez-moi un mail et je vous répondrai, on discutera ensemble. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui fonctionnent et je sais que tout le monde ne le sait pas. C'est pas. Voilà, le marketing d'oiseau fonctionne par le bouche à oreille. Donc si vous ne connaissez pas les bonnes personnes, personne ne vous en a parlé. Et aujourd'hui, finalement, vous subissez le relationnel que vous avez ou que vous n'avez pas plutôt. Donc, vous m'avez dans votre relationnel et je peux peut-être, sûrement, très 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 sûrement, vous apporter des réponses très concrètes à votre envie de réussir. Donc, c'est important. Historiquement, il y a eu des sociétés de marketing de réseau qui ont bien fonctionné en France. On va dire dans le monde francophone pour n'oublier personne. Je pense aux Québécois, je pense aux Belges, aux Suisses, je pense à la Polynésie, aux Dom-Tom de façon plus générale. Donc pour n'oublier personne, il y a eu des marketing de réseau qui ont vraiment super, super bien fonctionné en francophonie. Et régulièrement, il y a des nouveautés. Régulièrement, il y a des vagues. Il y a des vagues à prendre. Et si vous ratez la vague, si vous ratez le coche, vous avez du retard, vous avez un train de retard, comme on dit. Et c'est très vrai en marketing de réseau. C'est très vrai. Après, une bonne opportunité restera bonne pendant longtemps. Et j'y crois sincèrement. Et aujourd'hui, si je fais du marketing de réseau, c'est pour gagner de l'argent aujourd'hui, mais c'est pour en gagner demain, et dans un an, et dans 10 ans. C'est vraiment pour moi une profession. C'est mon métier, le marketing de réseau. Et j'ai vraiment une très très grande vision par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et je sais que ça n'est que le commencement, mais j'ai vraiment très envie que vous fassiez partie de cette grande aventure. Donc si aujourd'hui vous êtes un peu perdu entre deux, que vous ne savez pas trop s'il faut que vous continuiez, s'il faut que vous arrêtiez, sachez que vous n'êtes peut-être pas là où il faut que vous soyez. Et il y a peut-être un meilleur moyen d'utiliser votre potentiel. Vous savez, j'ai rencontré des gens qui travaillaient vraiment dur, mais travaillaient très très dur. Ils voyageaient partout en France, ils étaient tout le temps en déplacement, tout le temps en train d'animer leurs équipes, tout le temps en train de recruter, à recruter 20, 25 personnes par mois continuellement pendant 2 voire 3 ans, encore et encore pour essayer de lancer leur groupe. Et c'est des gens qu'on appelle des leaders, ça, hein, qui recrutent 25 personnes par mois, qui vont les former, qui vont aller animer leurs équipes, qui vont se rendre en présentation. C'est des leaders, ils en veulent. Et franchement, ils travaillent très dur. Et pourtant, malgré tout ce travail engagé, accompli au quotidien, la réussite n'était pas au rendez-vous. Leur réseau dupliquait pas. Oui, ils faisaient des ventes, mais leur revenu stagne. Il stagne, c'est pas satisfaisant. Et quand on voit le travail que ça représente, ils sont pas payés à leur juste valeur. Donc il manque quelque chose. Il manque un déclic. Il manque le bon véhicule. Il manque le bon véhicule, il faut dire les choses telles qu'elles sont. À un moment donné, quand vous faites toutes ces choses qu'on vous recommande de faire, quand vous êtes coachable, quand vous y mettez toute votre énergie, que vous êtes engagé, que vous êtes discipliné et que vous n'arrivez pas à passer certains paliers, c'est qu'il y a encore quelque chose qui manque. Et ça, aujourd'hui, si on discute ensemble,
je vais pouvoir vous ouvrir des perspectives. Donc, ce que je vous invite à faire, mon mail apparaît. Contactez-moi par mail tout simplement. Tout le monde a une adresse mail aujourd'hui. C'est super simple. Et vous allez voir que, j'espère, il y aura des déclics qui vont se faire. Je vous redis à très bientôt dans une autre vidéo. Et d'ici là, faites-vous plaisir. J'ai fait plein de vidéos qui sont sur YouTube. Donc, regardez-les et apprenez au maximum si vous avez encore besoin d'apprendre. On a tous besoin d'apprendre perpétuellement. Mais ayez conscience qu'à un moment donné, vous avez un potentiel, vous avez des compétences et elles méritent de vous rapporter de l'argent et vous méritez que ça marche. Vous méritez que ça marche et on peut voir ensemble ce qui fait que ça ne marche pas et qu'est-ce qu'il faut changer. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.